coucou les amis, c'est le Blédard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo de malade mental. Je suis devenu l'ennemi public numéro 1. Tu veux savoir comment? Regarde la vidéo et n'oublie pas de laisser un like si t'as kiffé. Salut niggas. Yo nigga, ça va ou quoi? À l'entrée la plus pourrie. Putain, c'est le salut le plus pourri que j'ai jamais vu dans la street, frère. Wesh. Vas-y. Mets un peu de patate dans... Wesh, niggas. Y'a quoi, niggas? On est là, on est équipé de la tête aux pieds. On va tous les calacher, niggas. On est chaud de ouf. Bon, toi, tu t'appelles comment, niggas? Je m'appelle Quentin Babtou, et toi? Ok, Quentin. Tu vas pas savoir mon prénom, d'accord? Toi, c'est quoi? Ah, le Renaud, là, c'est qui? Ouais, c'est toi. Moi, c'est Rodrigo. Rodrigo, toi, c'est quoi? Moi, c'est Rames la frette. Waouh, d'accord, la frette. D'accord, ok. Et toi, c'était quoi déjà ton nom? Dit tout à l'heure. Luigi. Ah ouais, Luigi, Mario, tout ça. Ok. On va désigner chef de groupe, chef du sous-groupe, Quentin Babtou, parce qu'il check comme une meuf. Du coup, tu vas mettre. Quentin, tu vas mettre un panneau. Tu vas mettre un panneau et tu vas leur dire si jamais ils rentrent dans notre zone, ils sont foutus, my niggas. On va tous les diglinguer, d'accord? Calacheux! Yo, niggas! Bien ou quoi? Ouais, elle est stylée ta voiture là. Hey, une Kia! Putain, je kiffe les Kia en plus. Ah, t'inquiète. Vas-y, tu me laisses conduire un petit peu? C'est qui lui? Hey, on est pas au carnaval là, bouge ta race. Bouge. Hey. Les carnavals, c'est fini. Hein. Bouge! C'est pas le carnaval ici, dégage! Allez, dégage! Est-ce que vous êtes équipé? C'est la question que je me pose. Jean-Pierre, est-ce que t'es équipé? T'es équipé toi ou pas? Ah, lui il est mort. Non, mais pas. Ah ouais, faut s'équiper les gars, on peut pas être gangster sans armes, ça marche pas, hein. Niggas! Mais ça va ou quoi? Mais je t'attendais, Sabi, ça va ou quoi? Plaisir. Oh là là, Sabi, t-shirt rouge, bandana rouge. Putain, Sabi, on est là. On est là. Ah ouais, t'étais au straight. Oh, Makassi, tu fais quoi là? Tu fais quoi là, Makassi? Moi je nettoie la. Bah va nettoyer la merde, va prendre ton camion et va nettoyer ta merde, putain. Allez, dégage, victime. C'est quoi cette musique que t'écoutes là? C'est vraiment du caca. Ah ouais, mais ça c'est du rap fragile ça. On verra bien si qui me touche la merguez. Verra bien. Manger des merguez. Bien équipé. Oh non. Mais c'est du rap de fragile ça. T'es sérieux là? C'est de la merde, ouh! Non, c'est nul! C'est nul! On verra bien. Mais tiens-moi, gna-gna. On verra bien. C'est lui qui. Oh non, il l'a tué! Oh non! Oh non! On va se venger, les gars! Elle était comment sa voiture? Y'a un mec qui vient de l'écraser. C'est quoi sa voiture? C'était quoi sa voiture? Elle était blanche, elle était blanche. La police! Putain, les gars, la police elle fait jamais rien de toute façon, la police. Vous. Toujours en retard. Vous. Toi ferme ta gueule, on a tué mon frère, bitches. On a tué mon frère, toi tu me dis faire taisez-vous. T'es un malade. T'es un malade. On va quoi? Je suis pas une balance, ok? Je suis pas une balance, cocotte. Je suis un diglingo, moi. Bah monsieur, en attendant. Mais pourquoi tu me tapes? Mais la tête de WAM! Mais la tête de WAM! Tu vas baisser ton arme maintenant, d'accord? Tu sais pas à qui tu parles, ok? Tu restes tranquille, ok? D'où tu me tapes, bitches? Déjà, on tue mon frère, après tu fais le malin! Allez, dégage! Au sol, tu te mets au sol! Allez, dégage! Au sol. Dégage! On n'a pas le time, bitches! Tu le! Eh, je braque ton collègue! Quel tu le! Je braque ton collègue, tu me braques! J'ai une calache, frère! Ton 9 minutes, tu fais rien du tout, allez, dégage! Dégagez! Ou ça va partir en cacahuète? Dégagez! Relâchez-le! Dégagez! Allez, venez! Ah, ça me tire dessus! Ah, ok! Mec, je t'adore! Tête d'homme, je lui tire dessus, il est malade ou quoi? Je te kiffe, mec! Dégagez! Allez, venez! Ça part en cacahuète! Tu es un diglingo, ça, mais! Venez dans notre cité! On va dans notre cité, venez, les gars! S'ils viennent nous chercher, ils sont foutus! Allez, go! J'ai un appartement, venez! C'est la guéguerre, piatch! C'est la guerre qui vient du ciel, tonton! Péter leur cheville! Vous êtes équipés, les gars? Y a un vendeur d'armes, si vous voulez vous équiper, y a Snoop Dogg, les gars! Y a Snoop Dogg, là! On est là, ça, mais! On va les diglinguer! Ça tire d'en bas, attention. Hey, on va leur faire la technique de l'entonnoir. Ils sont pas sur qui ils sont tombés, Sabi, ils savent pas du tout. On est des requins, on va les fumer, Sabi. Vas-y, Mamadou, donne-moi une IED. Mamadou, il l'a appelé, putain. D'accord, bah, drop Sami. Bah, c'est comme ça que je m'appelle aussi. Ah ouais, mais c'est chaud quand même, t'appeler Mamadou dans le milieu. Faut que tu trouves un pseudo stylé dans le monde de l'armurerie, tu vois. Genre, Snake. Vends-la moi et si ça marche pas, je me la ferai rembourser les idées. Ah ouais, carrément, il connaît ça, sa pré-vente, quoi. Service après-vente des IE. On le déglingue. Oh, mais tu vas le tuer, tu pars. Vas-y, rentre. Rentre. Viens. Vous me tuez pas.
Non mais c'est bon, rentre. J'aurais pu tuer. Vas-y, rentre. T'as pas vu la bombe à l'entrée? Bah ouais, à l'entrée, ouais. À l'entrée, là. Là. À l'ouverture de la porte, juste à l'ouverture. Tranquillement, que je vais devenir vos nouveaux, nouveau voisin, en fait. Tu seras pas notre nouveau voisin, mais tu vas être notre nouvel otage. Vas-y, monte. Allez, monte. On te prend l'otage, dis-je toi. Oh non! Allez, bah bien sûr! Allez, c'est parti! C'est où? L'appartement là! Ah, donc on en. Oui, non, mais je vais chercher l'argent! Ah, mais non, mais toi aussi, tu vas rentrer! Eh ben, y'a ton frère jumeau! Allez, tu veux rentrer, prise d'otage, ça fait plaisir! Allez, hop! Mais c'est quoi ce bordel? C'est mon copain! Vas-y! Ouais, ouais! Putain, c'est ton copain! Mettez-vous dans le coin là! Arrête! C'est quoi ça, oui? Eh, Chris Brown! Arrête de faire une crise, toi! Chris Brown! Ah, Chris! Chris, arrête de faire du Chris! Attends. Ok, lui il m'a saoulé. Ok, maintenant il reste un otage. Non, me tue pas. Non, je vais pas tuer. Je vais pas te tuer, toi. Non. Il parle trop! Il m'a cassé les oreilles. Par contre, toi, voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre ton téléphone et tu vas appeler la police. Et tu vas leur dire que t'es pris en otage. Et que tu demandes 10 000 $ et que t'es dans les HLM des niggas, des gangsters, d'accord? Non, l'autre il parlait trop, wesh, il m'a niqué les oreilles. Allez, dégage, c'est bon, t'es mort. Et les circoncis? Ah ouais, lourd. Putain, les circoncis. Regarde. Attends. Mais c'est toi que j'ai vu sur Bazookam? Putain, les petits trucs. C'est lui. Il y a des mecs à l'entrée. C'est qui les mecs? Deux secondes. J'appelle Adrien. C'est qui Adrien? C'est qui Adrien? Je trouve que je connais Adrien. Ah, c'est un policier, moi. Ah ouais, tu l'appelles Adrien, au calme. Ah, je connais pas, moi. Allô, je suis pris en otage. Dis-leur qu'on est des... On est des... Attends, 10 000 $? T'as pas parlé de la rançon, 10 000 $? Dis-leur qu'on est des niggas dangereux. Eh, ton cerveau, il est pris en otage quelque part ou c'est quoi le délire? On nous a informé qu'en face de notre appartement... Moi, c'est genre des gens qui nous aiment pas trop et qu'on n'aime pas forcément non plus. Et ils sont donc, comment? Je sais pas, ils mettent comment des musiques assez bizarres, donc je veux juste... Ils sont comment? On sait pas, on les a pas vus, on les a juste entendus parler. Juste en face de nous? Ouais, juste en face de notre appart. L'appartement en face? Apparemment, je les ai appelés. Ouais, et ils arrivent ou pas? Il m'a dit qu'il arrivait tout de suite. Ok. C'est quoi son nom? T'as appelé qui? J'ai appelé en privé. Tu te fous de ma gueule, il s'appelle comment le flic? Il y a des balles. Petite baltringue qui habite ici là. Les baltringues qui habitent ici. Eh, c'est ta grand-mère la baltringue, wesh. D'où tu parles comme ça? T'es un malade toi ou quoi? Je vais te fumer, ça va me laisser tomber. Eh, mais bon, va te biquer, t'as fumé, vous allez voir. Ah ouais, parce qu'il a 15 ans, il veut baiser. Allez, rigole. Allez, dégage. Ici l'officier geek. Geek, bonjour. Avec vous, monsieur. Bonjour, je vous êtes en présence de Karl, Karlouche. Bonjour. Vous baise. C'est bon, monsieur Louche. Le mec qui baise là, va baiser ailleurs. Laisse-nous prendre les gens en otage tranquillement, wesh. Il est fou ou quoi? Monsieur Geek, oui, donc vous êtes officier de police, c'est ça? Vous êtes tout seul? Vous me fouillez. Vous êtes tout seul ou? Je suis seul. Ok. Je vais ouvrir la porte. Tout seul. Et pas de geste brusque. Aujourd'hui, c'est son voisin, monsieur. Il est pas tout seul. Il est pas tout seul. Ah non, attendez, tout seul. Attendez, j'ai des collègues qui arrivent. Rangez votre arme. Il a fait péter la bombe. Il a fait péter la bombe. Il est où? Ouais, mais t'inquiète, j'en ai posé plusieurs ailleurs en fait. Ah, ok. Ça va être drôle. Bon, je vous. Attendez. Il y a combien de flics derrière là? Alors là, on est trois. Ok. Écoutez. Non, moi je vais parler à Geek. Moi je m'en bats les couilles du commissaire. Je parle à Geek. Eh les gars, il est où Geek? Moi je parle à Geek, moi. Il y en a un seul qui rentre, venez. Il y en a un seul qui rentre. Voilà. Un seul qui rentre. Venez. Un seul. Je suis le geek. Ok. Rentrez. Vas-y, rentre. C'est toi, Geek. Tu jures les mêmes. C'est toi, Geek. Tout à fait. C'est okay, moi. Ok. Venez. C'est vous, je vous montre. Ouais. Je vous montre l'otage déjà. Voilà. L'otage il est là. Celui qui est par terre. Non. L'otage c'est celui qui est debout. Parce qu'en fait, j'ai eu quelques soucis. Celui qui est. Il a tout fait péter. Il y a de l'orage, il y a des éclairs. Ah, il y a des éclairs partout. Mais en fait, j'ai eu du mal à calmer l'otage. Donc il m'a dit exécutez-moi. Bon, moi directement, je suis un déglingo, je l'ai buté quoi. Parce qu'il avait peur de faire une crise cardiaque. D'accord. Donc par contre celui-là, vous le gardez lui. Ouais, lui c'est de la bonne qualité. Hein. Ah, il est tout frais. Hein. Il vient de sortir du garage. Allez, fais voir, montre ton moteur. Fais voir comment tu fais des vroom. Je monte quoi? Rien, juste ferme-la, fais l'otage, c'est bon. Vous souhaitez combien pour la libération de cet otage, monsieur? Moi, je voudrais 10 000, en petite coupure et en pièces des 50 centimes. Pour cet individu-là? Ouais, c'est pas le maire, hein. C'est vrai que... Ouais, mais quand on s'approche, il me fait ressembler à un jeu vidéo très très connu.
si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça vaut forcément de l'argent. Bah oui, c'est Chris Brown, il vaut des. D'accord. Ça fait Chris Brown, ça, mais tu l'as pas reconnu. Attends, eh. Monsieur. Ouais, elle chante quelque chose. Monsieur, regarde, regarde. Vous appelez, vous, quelle est votre fonction? C'est chanteur. Dis chanteur. Dis chanteur. Ma fonction. Dis chanteur, Taras. Chanteur, chanteur. Ah, je suis très connu. Vas-y, chante. Je suis trop connu. Chante un truc de Chris Brown. Chante un truc de Chris Brown, vas-y. Ah, y'a ça. Je suis pas moi. Vas-y, fais pas le timide. Vas-y, vas-y. On t'a reconnu. Je peux chanter Nekfeu, monsieur. D'accord, vas-y, chante. On verra bien. Pense pas. C'est impossible, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ah, c'est Christopher Maron. C'est pas Chris Brown, c'est Christopher Maron, lui. Désolé, on s'est trompé. Bah, 5 000 $, c'est bon ou pas? Monsieur, ouais, c'est très clair. Vous l'avez frappé avant? Non. On l'a pas tabassé. Non, même pas. Non. Vas-y, 5 000, ça passe là. 5 000, c'est bon. C'est bon. Je vais en parler à mes supérieurs. Je ok, ça peut, monsieur. Okay. Là, j'ai mis, en fait, là, j'ai mis une bombe à notre entrée d'appartement, tu vois, et genre, on peut lui donner, il sort avec la bombe, et quand il sort avec la bombe avec, dans les mains, bah, je fais tout péter. Attends, tu veux donner la bombe au. À qui, à l'otage ou au flic? Parce que là, il est sorti. Flic, je lui dis de sortir avec la bombe, et je fais tout péter, mais il sait pas que c'est une bombe, tu sais, je lui dis que c'est un carton et qu'il doit sortir. Oh le bâtard! Je sais pas. Oh le bâtard! Mais non, mais ça sera mort là, pour la rançon alors. Ouais, pour les 5 000, ça serait dommage. Bon bah après, alors au pire, on fait sortir l'otage avec la bombe et je fais tout péter quand l'otage est dehors avec les flics. Ok, ok, vas-y, ça on fait comme ça. On fait comme ça. Bon, monsieur Geek, je vais vous faire sortir. Il faut ouvrir la porte. Allez-y. Ouvrez la porte. Allez-y, merci beaucoup. Japonais, si vous. Baissez votre arme, monsieur le commissaire. Baissez votre arme. Baissez... Mon frère est mort. Bah ouais, parce qu'il était un peu con dans sa tête, ton frère. Un truc de ouf. Et y a des Chinois en face de chez nous, comme par hasard. Genre, y a pas d'autre endroit pour s'installer, quoi. Dites à Arnaud que je l'aime. Il m'a dit. Mais toi, t'es toujours pas mort, frère. Ça fait 2 heures que t'es mort. Tu veux pas bouger? Mais c'est ouf. Ah, y'a du monde, hein. Ok, ok. Tu veux sur la porte, sur le parking. Je les ai sur le parking, là. Ok, on peut leur tirer à travers les vitres ou pas? J'ai la kékette qui colle. Ouais, ouais. Ils sont là, ils sont sur le parking. Regarde, c'est qui chante la kékette? Moi, je suis son frère. Ah ouais, ils sont là, les mecs, ils sont sérieux, là. Là, tu balances une grenade. Oh, calme, strike. Ouais, mais là, je suis trop loin pour balancer. J'ai pas de grenade, moi. Je peux pas lancer ma bombe. Ah ouais. Ça serait que, franchement, l'otage, il sorte. Mais ça serait que j'y prenne ce que j'ai mis là. Il sort, il va les voir. Et moi je fais tout péter au moment où il est à côté d'eux. Vas-y, on fait ça. C'est une très bonne idée, ça. Écoute-moi bien, tu m'as dit que tu m'adorais, n'est-ce pas? Tu m'adores, moi je suis un preneur d'otage, tu m'adores, n'est-ce pas? Ouais. Ok, donc, écoute... C'est pas des beaux cheveux, en fait. Écoute, il y a mon collègue, il va te donner un carton, et tu vas l'amener aux flics, d'accord? C'est pour eux, c'est pour négocier la prise d'otage. Et tu leur amènes le carton, et comme ça t'es libre, ok? Ok, il va te le passer, prends-le. Tiens, prends ton truc pour le prendre. Non, c'est l'autre. Voilà. Vas-y. Écoute. Attends, on vole. Viens, ils sont là, regarde, viens. Ils sont sur le parking, regarde. Ils sont juste là quand tu sors à droite, ok? Allez, c'est bon, descends. Bouge. Bap tout, mets-toi sur le. Mets-toi près du truc. Ouais, t'inquiète. Du parking. Il y va, regarde. Non! Espèce de con! Pas là! Là-bas! Mais non, il a tout fait foirer! Putain, le con! Oh! Ah, il est mort! Oh baby! Oh non! Il s'est passé quoi? Mais non! C'est fait un échec! Putain! RIP! Oh là là! Faut qu'on se casse là. Tu veux qu'on se casse comment? On y donne la merde, tu veux qu'on se casse comment? Ils viennent, on les fume. Attaque terroriste, ça s'appelle attaque terroriste. Ils viennent, on les fume. Putain, ça a foiré de ouf. Il a balancé. Apparemment, c'est bugué. Jusqu'à la mort! Jusqu'à la mort! C'est ici! Y'a personne! Je suis là. C'est le livreur de pizza? Est-ce que c'est pour les pizzas ou pas? Ouais, c'est le. Oui, d'accord. Monsieur. Oui, exactement. J'arrive! D'accord, bougez pas. Bah, rentrez, c'est ouvert. Pizza, pepperoni. Ouais. Pizza, la pepperoni. Rentrez, c'est ouvert. Pepperoni halal. C'est ouvert. Alors, pepperoni. Ah non, mais non, mais moi c'était une margarita, les gars. Non, vous êtes trompé d'étage, c'est pas ici, désolé. Bon, les gars, je veux ouvrir. Écoutez, les gars. J'ouvre, mais j'ai pas d'arme, ok? Donc, ne tirez pas. Excuse-moi, t'as tiré. Ok? D'accord, même si j'ai. D'accord. Les gars, range ton arme. Qui prend le bélier. Range ton arme. J'ouvre la porte, j'ai pas d'arme. J'ouvre la porte. D'accord, t'as pas d'arme. Bonjour. Au sol. Je suis au sol. Je suis au sol, ça y est. Oh putain de merde. Ok. Face au mur, tous au sol.
Le mur, contre le mur. Oh, mais tu veux les manates? Par contre, les pizzas, c'est où? Je vous commande une pizza. Je vous note, monsieur. Je voulais les manates, je vais vous fouiller. D'accord. Dans ce cas-là, je vais vous faire tout le monde. Allez-y, courez, courez, courez. Wow. Je vais vous fouiller. Wow. Allez, j'aurais dû jeter mon arme, je suis con. Je suis très fin, mon monsieur. Excusez-moi. Pas d'otage. Pas d'otage. Je suis qui? Wouh, ça tire. C'est pas ce moment-là. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Bougez pas. Allez au frigo. Contre le frigo. Au frigo. Ok, d'accord. Je vais au frigo. Tous contre le même mur. Je vais au frigo. Allez au frigo. Lui, il a un AK. Dépêche-toi. Ah oh. Je fais quoi là? Essaye de me zapper, frère. Attends, arrêtons. Ah merde. Ah, c'était pas sur... Non, il m'avait dit saute par-dessus le frigo. J'avais entendu ça. Oh, désolé. Ouais, vous avez une voiture ou pas, les gars? Parce que ça va être chaud. Ok, let's go. Tout le monde avec nous, tu viens avec nous. Ok. T'inquiète. Mais en fait, pourquoi vous m'avez mis les menottes, en fait? Il se passe quoi? Hein? Ah, monsieur Geek, il est où, monsieur Geek? Libéré, délivré, c'est qu'une merguez de sauver. Ennemi public numéro 1, regarde, t'aimes tous les flex, c'est un truc de ouf. Un truc de fou. Allez, plus vite, avancez les gars. Allez, avancez les gars, allez, plus vite. Ah non, avancez les gars. Non, c'est toi qui va avancer. Non, mais c'est moi qui vous emmène là au Comico là. Vous êtes au moins 10 000, allez, allez-y. On va perdre Jean-Francis. Francis, il est où, Francis? Il y a un petit Francis derrière. Bon, bah voilà, retour à la case départ. Retour à la case départ. Quoi? Mais vraiment, là, je comprends pas ce que tu me racontes. Monsieur le commissaire, juste une question en fait, vous allez me libérer quand en fait? Parce que là les menaces, ça fait mal au poignet. Moi j'ai rien fait, j'ai commandé une pizza et au lieu que ce soit Pizza Hut, c'est des flics qui arrivent. Truc de ouf. Ah collègue, ça va quoi, niggas? Bien ou quoi? Hey collègue, t'as de la bouffe? Ça fait plaisir. Calme ta joie. Tu recules. Recule. Toutes les personnes de recule. Coin qui gardent la porte. Recule. Je vais vous demander. Ok, si vous bougez pas. Putain de merde. Deuxième prise d'otage ou quoi? Ne bouge pas, monsieur. Ok, bougez pas. Bon, je prends votre arme. Panda compét... Rangez ce que vous avez dans vos mains. Rangez ce que vous avez dans vos mains, monsieur, là-bas. Je sais pas c'est quoi, je vois mal. Là. Voilà, venez. Approchez-vous. Hé, hey, collègue, libère-moi. Approchez-vous. Voilà, je prends votre arme aussi. Bim! Qu'est-ce qui se passe? Je prends vos téléphones et je veux pas d'ennui. Moi, je veux juste sortir du Comico au calme. Je veux pas aller en prison. Parce qu'en prison, je garde des mauvais souvenirs. D'accord, monsieur. Donc, placez-vous devant. D'accord, bah, on va vous faire sortir. D'accord. Libère-moi. Ah oui, libérez-le, s'il vous plaît. Libérez-le. Est-ce que je peux prendre dans ma poche quelque chose à manger? Parce que je me sens vraiment pas bien. Là. Bah, donnez-moi aussi un truc à manger. Donnez-moi un truc à manger. Ouais, les gars, moi j'ai rien contre vous. Juste. Vous demandez de me faire confiance. Ouais, juste vous ouvrez la porte et il y aura. Sors! Dégage. Vas-y, ouvrez la porte et restez bien devant. Commissaire, tu bouges pas, viens, rentre. Rentre, commissaire. Rentre. Tu prends ton arme, au calme ton téléphone. Allez, go. On y va. Voilà, tout va bien. Y'a personne. Si, j'ai vu, y'a un 50 cents là-bas, y'a un 50 cents. Dis-tu de reculer là-bas. Y'a personne. Quoi là? Yo, tais-toy. Comment ça, y'a personne? Y'a tout le monde. Tu sais. Je vais pas niquer, je vais péter tout le monde, putain de merde. Au revoir, monsieur Geek. Au revoir. Allez, commissaire, viens. Viens. Et toi, tu aimes le catch? Oh non, pas lui. Continue. J'aime pas le catch, bouge ta race. Commissaire, je vous ai jamais dit, mais j'ai une maison tout équipée avec une piscine. Je vais vous la montrer, venez. Bon, commissaire, tu vas appeler... les agents. Écoute, tu vas leur demander une rançon de 10 000 dollars. Ok, comment s'appelle le négociateur? Comment il s'appelle le négociateur? Francky. Monsieur Francky. Est-ce qu'il y a un monsieur Francky? Je vous dis. Oui, je suis là. Ok. Je suis là. Ok, je vois ce que vous dites. Monsieur Francky, vous savez quoi? Vous allez venir tout seul. Non, mais écoutez, monsieur Francky, vous allez vous mettre tout seul devant l'entrée du garage, je vais vous ouvrir, vous allez rentrer. Tout seul, ok? Ok, ouais. On peut, ouais. Allez-y, rentrez. Ok, attendez, je t'enlève ton arme au calme. Comme prévu, bon, je voudrais la somme de 10 000 dollars pour le commissaire. Est-ce que vous avez cette somme ou vous allez la négocier? Oui. Alors sur moi je l'ai pas actuellement. Mm-hmm. Je pourrais l'avoir dans les 5 à 10 minutes à suivre. Ok. Est-ce que ça okay. vous va, monsieur? Ok, ça me va.
Bah voilà, c'est pas si compliqué que ça. C'est bon, t'es là? Ouais, je suis là, je suis là. Y'a toujours mon collègue qui a une arme pointée sur le commissaire, donc ne tentez rien de con, les gars. Vous inquiétez pas. Vas-y, go, rentre. Yes. Hey. Mais de rien, ça fait mais... plaisir. Merci, Roya. Merci, Roya. Je vais toujours bien, il a pas été pendu. Non, rien du tout. Il va bien, parce qu'il a mordu. Il va rien du tout. Rentrez, vous inquiétez pas. Donc, monsieur, avant de balancer l'argent, je vais vous demander ce qu'on va faire. C'est que je vous donne l'argent, ok. Et vous allez, on va aller en haut. Vous allez déposer le commissaire à la porte. Et ensuite, vous partirez avec votre argent. Mais par contre, donc, à une seule condition. Si en partant, je vois qu'il y a des gens qui me suivent ou je sais pas quoi, je serai obligé de revenir et reprendre le commissaire en otage. Parce que je l'aurai toujours dans ma mire. Vous inquiétez pas. Ok, vas-y, balance l'argent. Ouais, parce que j'ai vu des flics dans le jardin, ils étaient en train de refaire des trous, ils tondaient la pelouse ou comment ça se passe? Okay. Ah ouais, tranquille. Ok. C'est normal. Bon les gars, Francky. Venez, monsieur le commissaire. Francky, attends. Parce que là, je sens que ça va partir en couille. Je sens qu'ils vont pas être très cool, vos collègues. Vous, toi, je te fais confiance. Tranquille, ils ont été adoptés, tu vois ce que je veux dire. Adoptés, carrément. Waouh. Ok, doucement, les gars, tout doucely. C'est bon, monsieur. Tout doucely. Sur 200 mètres, vous me suivez, après, je vous relâche. Bon, vas-y, commissaire, je te laisse là. Et pas de coup fourré, hein. Sinon, attention. Allez, salut. Allez, tirez. Ah, moi, ce chien. C'est pas des hommes, tu vois. Ouais, allô. Ça va ou quoi? Bah, après. Tu faisais quoi, ça? Mais tu faisais caca ou quoi? Ouais. Tu sais, j'ai acheté le nouvel iPhone 6S là. Mais t'es pas sérieux. Non, mais ça, je sais que t'as acheté cette merde. Ouais, hein. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais wesh, c'est de la carotte de ouf, les iPhones. Je suis un pigeon.